smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this heat. Hello mes petits viewers préférés, comment allez-vous? Vous avez vu deux streams dans la même journée, hein? Ah, on est vraiment fan, hein? On est vraiment fan des petits streams comme ça. Aujourd'hui, enfin ce soir du coup, parce qu'on a déjà stream aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se faire une petite frayeur sur Phasmophobia. Hop, je vais juste remettre le son du jeu, tac, que j'avais enlevé pour l'intro. Hop, et on réapplique. Let's go et bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Enfin bonsoir plutôt cette heure-ci. Du coup, on est là pour du Phasmo. Et Néo est de retour. Bienvenue Néo, comment ça va mon petit Néo? Comment vas-tu? Comme vous voyez, je suis avec Perdi. Coucou Perdi. Alors on est en vocal dans le son du jeu. Donc voilà. Si vous l'entendez pas trop bien, c'est parce qu'on n'est pas trop en face. Toujours debout, et toi, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va, nickel. Ça va, nickel, ça faisait un petit moment qu'en vrai, je me dis, ouais, peut-être pourquoi pas se faire du Phasmo en live et tout machin. Donc là, c'est vrai que c'est vous qui l'aviez proposé là cet après-midi. Donc j'ai dit, bon, bah, si vous l'aviez proposé, c'est que ça devrait vous satisfaire. Donc voilà. On a juste fait le petit projet du Phasmo en live, hein, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça pour mes vidéos YouTube, mais pourquoi pas le faire en live aussi, ça pourrait être sympa de temps en temps apporter des concepts de vidéo en live et des concepts de live en vidéo. Ça peut éventuellement être sympathique, je pense. Après, on verra comment ça se passe. Voilà. Mais ça pourrait être sympathique de faire quelques petits trucs comme ça. Hein.
Voilà tout. Comment dire? Est-ce qu'on ne commencerait pas à jouer au jeu vidéo? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée de commencer le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme mission là? Découvrir votre identité, jouer avec un autre chasseur, prendre une photo 3 étoiles, jouer des contrats. Compléter le mode défi sur prison. Prendre des photos 3 étoiles. De l'entité. Détecter des sons au microphone parabolique. Et compléter les objectifs sur Tungle Street. Allez, on va tatane les fantômes. On va essayer, on va essayer. On va se mettre sur Tungle pour commencer. On va commencer la soirée par une game de chauffe. En professionnel et on verra après pour éventuellement si on est chaud. Monter la difficulté, pourquoi pas? Ou monter la difficulté de la map aussi. Voilà. Alors, excusez-moi. Hop. Tatane du fantôme, ça nécessite une bonne hydratation. J'y ai pensé avant que Néo me fasse boire. Néo me fait toujours boire. Ah, mais on a le pointeur aussi qui a été un peu modifié, j'ai vu là. C'était un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ok, bon bah ça va être cool tout ça, on va pouvoir tester un peu tout ça, il y a eu une mise à jour sur Phasmo du coup, voilà. Tu me refais boire par-dessus ça, Néo? Ouais, si tu veux, aucun souci. Hop. Alors. Ici une cachette. C'est bon à savoir, c'est le miroir. Que la lumière soit et la lumière fût, c'est incroyable. J'ai une orbe fantomatique dans la salle à manger. Par contre, peut-être monter un peu au niveau du son. Je t'entends pas très très bien. Je sais pas si on l'entend bien ou pas le chat. Hein. Dites-moi tout. Est-ce qu'on entend bien Perdi? Parce que j'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup entendu sur la radio. Donc. Faudrait qu'il reparle. Tu peux reparler, s'il te plaît? Oui, je reparle. Mais à travers la radio, enfin, on se met loin, et à travers la radio, tu peux reparler, s'il te plaît? C'est au niveau de la radio que je. On l'entend là ou pas? On entend, mais pas ouf non plus. Ok. Je vais le monter, hein. Je t'ai monté, mais on verra bien du coup. On reparle un coup pour voir. Ah, c'est au niveau du toki, hein, qu'on n'entend pas trop. C'est le toki qu'on n'entend pas. Hop. Ouah, ça date, Phasmo, t'as vu ça, Titi? Ah ben, on va se faire quelques games. Avec Perdi, on va se faire quelques games. Du coup, voilà. Ça a été demandé cet après-midi sur le stream de cet après-midi qu'on fasse du Phasmo, donc on en fait. Pas avec la personne qui était censée être de base, mais on en fait quand même un petit peu. Alors, détecter un son avec le microphone parabolique. Hop, ça c'est l'astuce
à Koro. Faites en sorte qu'un membre échappe à l'identité pendant une chasse. Ouais. Ok. Du coup, on avait une orbe. Si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Là, on la voit bien, l'orbe. Hein. Ici, la petite orbe, on la voit bien. Prendre la spirit. Et puis après, je vois que le reste a déjà été pris. J'étais trop chaud à Phasmant avant qu'il change tout. Ah ouais, que les items repassent level 1 et tout. Ah, c'est chiant, mais après, tu vois, faut s'y adapter. Et puis après, tu vois, les items 3 étoiles, en vrai, ils sont trop bien. Ça vaut le coup quand même de s'emmerder un petit peu. Wow! On m'a envoyé une assiette en pleine gueule. J'ai pas aimé, J'ai quoi, envie de si me tu veux. rapprocher au micro, peut-être que c'est mieux. Bah écoute, là quand ça va, mais sur la radio on t'entend pas trop trop fort, j'ai monté le son du jeu à fond. Mais voilà. Ouais, là on t'entend mieux quand même, là. On va pas te mentir. On est 5 sur le stream, merci à tous. Alors, je vais tenter la spirit. Je te redis. Merci. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oh, belle spirit. C'est une belle spirit. Hop, je vais l'éteindre parce que sinon, hop, voilà. Mais c'est une belle spirit. Alors, du coup, spirit orbe. Ça peut être le mimique, hein. Y a pas du lait. Mais non, je suis con, il y a eu la. Si, il y a eu Spirit, je suis con. Si, si, en fait, ça peut être Mimic encore. Et au niveau de la température, on est comment? C'est pas très froid. Ah, tu vois, il n'y a pas du lait. Donc, à moins que tu aies accidenté Ah, est-ce le lait. que. Notre cauchemar. Il aurait pas bougé? Le fantôme a bougé, je pense, hein. Non, il y a toujours l'orbe. Ouais, le fantôme a bougé pour moi. Je vais voir si ma santé mentale en a pris un coup ou pas. Ouais, pas plus que ça. Je suis à 62, t'es à 74. Il a changé du coup. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il avait changé. On a entendu. Merci. Au but ce que j'ai dit n'importe quoi. Ah, t'inquiète, tranquille. Tranquille, tranquille. On va faire le test du micro. Allez hop. Bah ouais, je me suis dit du phasmophobia, tu vois, c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre, de voir en stream et tout machin. Je me dis ça peut être cool. En fait, il était déjà coché en fait, c'est my bad. Ah, tu penses que ça peut être un cauchemar? Wesh. Il y a eu une Sur interférence. moi. Il y a eu une interférence, c'est normal? Oui, c'était moi qui a fait un événement sur moi. Ah ok. Oui, il change de pierre, la lumière est allumée. Si. Oui, il change de pièce. Que la lumière est allumée si ça a pas changé. Non, non, ça a pas. Bah attends. On va relire, hein, mais cauchemar. Ce serait écriture du Après coup. le livre dit pas tout, mais ouais, je vais ramener le deuxième livre. Cauchemar est la source de tout mauvais rêve qui est plus puissant dans l'obscurité. Ouais, du coup, ouais.
Allume les lumières autour des cauchemars, réduira ses effets. Ok, d'accord. Ok. Hold up, wait a minute. On va lui mettre des petits, des petites lampes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme objectif? Faut prendre des photos là. Hein. Il nous manque quoi? Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5? 6? 5? 6? 6? Je sais plus compter. ouais, on la voit bien. Ok, il a éteint les bougies. Il a éteint les bougies. Est-ce qu'on lui mettrait pas un peu de salt? Je te mets un sel ou deux sels? Enfin, je t'amène le sel. Parce que je sais que t'aimes bien les positionner d'une façon. Certaines façons, mais est-ce que on fait deux sels ou un sel? Un sel suffit, non? Ouais, je pense. Ok. Si je lis pas le chat à un moment donné, quand il va chasser, ça va être normal, les amis. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que comme on est en activation vocale et non pas en push to talk, hein, je vais vous remontrer, voilà, on est en activation vocale, et bah du coup, si dès que je lis le chat, je me fais attaquer, bon bah voilà quoi. Du coup, c'est normal que je ne parle pas pendant un temps. Oh! Ça détecte quand tu parles en gros. Ouais, c'est ça. Ça serait quand même drôle. Ah ouais, je sais bien. Oh, il y a déjà une chasse là? Oh oui, il y a déjà une chasse. Ah, il y a déjà une chasse. Ok. Du coup, je vais éviter d'activer son toki. Je sais pas si il peut l'entendre ou pas. Tac. C'était une chasse ça là? Ah oui, c'est vrai qu'on avait l'objectif. Ok, donc là, il nous manque juste les photos et après, on peut se casser, en vrai. Parce qu'on sait que c'est un cauchemar. Non, c'est pas un cauchemar. C'est pas un cauchemar? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui fait dire que c'est pas un cauchemar? Bah parce que on a. Pardon. Parce que. Il rigole pendant qu'il chasse. Oh, c'est le chat qui m'a fait rigoler. J'suis désolé. On a eu chaud quand même. J'ai cru qu'il venait me chercher. Oui. On a eu chaud, les gars. On a évité la catastrophe. Oh merde. Et du coup, c'est pas un cauchemar, c'est quoi? Un chétan, ouais, non mais... Attends, Néo, ça t'aurait fait perdre que je me sois fait bouffer par le fantôme. Hein. Je te connais, Néo. Onryo ou yokai? Yokai. Yokai Watch, il est où? Ce serait un Dots pour le yokai. Et Onryo, ce serait température glaciale. Euh.
Si, si, il me semble bien, le Onryo, c'est le truc avec les bougies, justement. Si tu fais sortir éteindre des bougies plusieurs fois, je crois, c'est lui qui pète un câble. Et qui envoie une chasse à partir de 3 fois, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Alors. Problème, c'est qu'on n'a pas la dernière preuve, c'est chiant. Il y a besoin d'un autre sel ou pas? Hop, t'es là. Oui, voir. Ouais, je pense qu'il faut un autre sel. Si c'est un yokai, ce serait Dots, c'est ça? Bah, si c'est le Dots, ça veut dire que c'est. Le Yokai Watch. Sinon, c'est Onryo, c'est Température Glaciale. Oh, t'as vu? Il a ouais. Acheté le livre. Ouais, j'ai vu, il a acheté le livre. Donc, ça peut pas être écriture. Donc, c'est pas un cauchemar. C'est ça. On a la certitude que ce n'est pas le cauchemar. Hop, ça dégage. On a la certitude que c'est pas le mimique parce qu'on n'a pas d'empreinte. Ouais. Donc c'est une vraie orbe. Il doit rester juste à température glaciale qu'on n'arrive pas à voir. Faudrait qu'on prenne une pilule. Monsieur Perdi, faudrait que tu prennes une pilule. T'es un peu bas en santé mentale. Je trouve. Ouais. In my opinion. J'espère qu'on n'a pas pris une mauvaise pilule. Que c'est pas ta copine. De quoi? J'espère que c'est pas les pilules de ta copine. Faut pas se tromper. ouais, on peut essayer les bougies sinon. Hein. Il m'a déjà éteint une fois. Ah, tu l'as déjà éteint. On me dit dans le chat, essaye les bougies. Mais ouais, mais du coup, il a déjà éteint les bougies une fois, donc on peut. Hein. Ça se sent. Merde, je suis con. Parce que sinon il va pas chasser. Ici. Température glaciale. Oh. Ah bah voilà. J'y étais presque. On était à 0. 0 calque. 0,3. 0. Bah je crois que si c'est en dessous de 1 degré, je pense que c'est glacial. Oh. Et de 1. Fais gaffe, t'as ta lampe torche frontale allumée. C'est bon, température glaciale. Ouais, et puis, moins 0,3. Vraiment pas la bougie. Moins 0,3. C'est une température de type congélation. Mais il nous manque quand même des photos là, non? Oui, finir ça sur une game parfaite quand même. Faut que le fantôme se montre aussi. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on puisse le prendre en photo. On peut avoir des glaçons, non. Oh. Wesh, il m'a fait peur. Il a éteint la bougie pour la 3e fois, mais il a voulu chasser. Au moment où on est rentré? Ouais. Du coup, ça s'est abonné photo. Il le sait, il est marché dedans. Ah. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait prendre une photo du fantôme? Il va pouvoir se montrer. Hein. Tac, toc, tac, toc, tac, toc, hop.
Ah, c'est à moi de prendre une pilule, hop. Ok, bah là, il nous reste juste la photo de l'entité, du coup. Faudrait qu'il fasse un event sur nous en se montrant, du coup, c'est ça. C'est ça. Il faudra prendre la photo. Oui. Mais il veut pas, quoi, c'est chiant. Ouais. Un peu, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu emmerdant. Bah, il veut pas se montrer pour le live, j'ai l'impression. C'est dommage. Il me vient une idée à la tête. Ah, bah, t'es là. Il me vient une idée à la tête. Pendant une chasse, on peut le prendre en photo, on est d'accord? Il y a des choses concrètes. Hein. Bah, avec l'encens, si on tourne autour de la table, non? Ça marche pas? Un Rio, ça va être trop rapide? Non, mais c'est. Enfin, faut avoir le timing, quoi. Faut pas louper son encens. Faut prendre la photo, faut fuir. Prendre la photo, faut se casser. Ouais, j'avoue, c'est un peu technique, là, quand même. Mais en vrai, je vois que ça. Hein. S'il veut pas se montrer, il veut pas se montrer. Hein. Pour moi, ça me semble être une technique du dernier recours, quoi. Si tu veux vraiment la game parfaite. Bon, bah après, c'est pas... T'as trouvé osé. Osé? Comment ça, osé, Titi? C'est osé ce que je veux faire? Oui, ça, je sais, mais... Après, c'est vrai que j'ai pas le dernier encens. Le dernier encens stun vraiment, donc du coup, on aurait eu plus de temps, quoi. Mais là, j'ai que l'encens level 2. C'est pas une question de temps. Ouais, c'est pas une question de temps. Vraiment, c'est le timing qui compte. C'est le stun, ouais. Ouais, je vois. Les 4 sur le stream. Bah, il est aveuglé. Il est aveuglé, quoi. Ouais, je vois, mais je sais, mais... Le truc, c'est faire ça, prendre une photo, tac tac, se rebarrer. Bon, alors on va pas passer 10 ans là-dessus. Allez hop. Ah bon, on va pas passer 10 ans là-dessus. Ouais, on va passer sur une autre game. Non, bah c'est pas grave. C'est un défi qui est un peu chiant à faire. Bon, bah tant pis. On le fera sur la game prochaine. Mais si on enchaîne pas. Je suis obligé de faire un Rio. Ah merde. Ça veut pas. Ouais, je sais, mais bon, après. Là, pour le coup. Ok. Niveau 69. Ouais, c'est vrai. Attends, mais du coup. Ok. Ok. Je comprends pas trop là. Non, parce qu'en fait ça ils l'ont changé là. C'est tout nouveau ça. Et du coup je comprends pas. Là il s'est mis ou pas du coup mes items. Ah oui mes items sont mis là. Ok, c'est bon. Ouais. C'est mis. Bon, allez, dans le chat. Qu'est-ce que... Moi, je re-GL. Ah ben, merci. Merci, Titi. Bon, le chat, vous votez la map. Qu'est-ce que vous voulez comme map? Ça, c'est une bonne idée. Ah, on veut du challenge, un peu. Qu'est-ce que vous voulez comme map? La dernière? Mais en fait, c'est un rond, Néo, donc il n'y a pas de dernière. Le camp? Asile.
Moi, je crois que c'était vraiment une bonne idée, quoi. L'asile, c'est quoi? C'est lui? Je crois que c'est lui, l'asile. Je crois que c'est lui, l'asile, hein. La plus dure, alors. Ouais, bah, c'est asile, quoi. Vous voulez qu'on souffre? Alors le truc c'est que asile à deux, c'est vraiment compliqué parce que du coup c'est compliqué quoi. Asile à deux, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir couvrir toute la surface en fait. Je crois que vous n'avez pas la grandeur de la map en fait, elle est énorme en fait cette map là. Elle est énorme, mais on peut déjà faire le lycée. Le lycée déjà vous allez voir quoi. Le lycée, au lycée, vous allez voir, c'est déjà pas mal grand. Si vous voulez vraiment qu'on fasse l'asile, on fera peut-être ça, on fera peut-être l'asile, mais un peu plus tard. Histoire qu'on ait le temps de se chauffer un petit peu aussi, parce qu'il faut qu'on chauffe les mécaniques. Ah non, on n'a pas été bon, on n'a pas fait tous les objectifs et tout, genre, faut qu'on chauffe les mécaniques. Un pote à moi, il l'a fait tout seul. Oui, après, il peut le faire tout seul. Nous, on joue en difficulté professionnelle. De temps en temps, on fait même du cauchemar aussi, donc ça dépend. Après, si ton pote peut le faire tout seul, mais il peut le faire tout seul dans la difficulté, genre dans les premières difficultés ou dans les difficultés un peu plus. Ah bon? Voilà, tu vois. Alors, c'est Allez-y, je fais possible. aussi tout seul. Lui, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Alors, le fantôme ou la difficulté? Alors tout est possible à faire tout seul techniquement, mais juste que ça va prendre beaucoup beaucoup de temps quoi, c'est tout. Après si vous voulez qu'on passe énormément de temps sur une map, la difficulté. Il a même les trophées. Ah bah écoute, GG à lui, tu vois. Après je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on passe 20-25 minutes sur la même map? On peut, mais après c'est pour vous quoi, c'est que ça change un petit peu, que ça bouge. C'est comme vous voulez. C'est vous qui me dites. Déjà, le lycée est pas mal en vrai. Je pense qu'on peut faire. Moi, je veux le camp. Bah, le camp après. Le camp en vrai, je l'ai. Ça dépend quel camp, mais le Mad Lodge, je l'ai mal fait. Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois. C'était au niveau de l'event Halloween, je crois. Pourquoi tu essayes de faire le trophée doré pour. Pour combien? Pour combien? Bah pour la fin de mon second goal, Titi. Non, je déconne, dis si tu sais. Mais non, mais après on peut le faire si tu veux. Mais là pour le coup, faut qu'on chauffe un peu les mécaniques là. On va chauffer les Pourquoi le mécaniques trophée doré? constamment. Je sais pas ce que c'est le trophée doré. Qu'est-ce que tu entends là par trophée doré, Titi? C'est difficulté maximale et single player. Et l'asile et tous les objectifs et la photo du fantôme. Ah ouais! Non, bah Le pire écoute. des débuts. Ouais, c'est chaud quand même. Je suis pas encore à ce niveau-là. Ah bah oui, déjà, je commence à apprendre un petit peu les mécaniques du jeu et tout machin. Ah bah si, c'est bon, j'ai le crâne. J'ai eu le crâne, ok, let's go, c'est cool. Parce Ah qu'il me oui, je semblait devais qu'il pas te manquait le laisser prendre crâne et en photo le fait, non, crâne. c'est bon, il est là. Donc là, normalement, Parce je que vais j'ai avoir pris fait en le photo le squelette, du crâne, coup, ouais. j'imagine. Ah Là, oui, par contre, il me j'ai manque la oublié. boîte à musique et la patte de singe. Il a pas de singe, comment est-ce possible? Bah, je sais pas, parce qu'on les prend souvent en photo et tout, machin, donc. Bon. Bah, par contre, ça, j'ai, mais après, du coup, bah, ça, c'est le. Ça, c'est l'event Halloween qu'on a fait en vidéo. Et l'event Noël qu'on a fait aussi en vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le chat? Je partirais déjà bien sur en vrai le lycée pour vous montrer un petit peu comment ça peut être chiant de trouver un fantôme dans une map qui est un peu grande quand même. Parce que là, ça va, la map elle est. Enfin, Tugglewood, c'est assez petit.
Là, déjà, si on va sur high school, c'est on sort un peu de la zone de confort. Et après, derrière, si on réussit bien et tout comme il faut, éventuellement, on ira à l'asile. Est-ce que ça vous dit comme ça ou comment? Bah, c'est la plus petite. Ah oui, Tanglewood, oui, c'est la plus petite, oui. Allez, moi je lance comme ça. Hop. On lance au niveau du lycée et puis on verra une fois le lycée passé ce qu'il arrive. Comme ça, Titi, t'as le temps d'aller manger ou d'aller faire un, je sais pas quoi. T'as le temps de revenir et comme ça, une fois que t'es revenu, bah après on fera l'asile. T'as des items que j'ai jamais vus. Ouais, parce que j'ai un peu joué. J'ai pas encore tout débloqué, mais j'ai un peu joué, ouais, donc genre ça, normalement, cette cam-là, tu l'as jamais vue. C'est la Bonnie. C'est la cam Sony, mais... T'inquiète, pour éviter les droits d'auteur, c'est Bonnie. Ok. Gel, je re... Ok, ça marche. Pas de soucis, Titi. Putain, à chaque fois, je crois voir des orbes. Alors. Ah oui, du coup là, ça nous fait ressortir. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de cette map. Je l'ai fait en tout et pour tout deux ou trois fois, je crois. Donc c'est vrai que j'ai un peu mal. Je vais dire, mais là il y a une orbe là, en fait c'est pas moi. Non, c'est juste le courant. Des infos? Ah, je sais pas, t'aurais pu trouver l'os ou je sais pas, un truc du genre. Ouais, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais on sait jamais. Par chance, tu peux être tombé dessus, quoi. C'est horrible, je crois voir des orbes de partout. Dans la pièce où je suis, j'ai froid là. Ah, t'as déjà trouvé? Il semblerait.
Au rez-de-chaussée. Pas loin de l'entrée, à l'entrée à gauche. Ouais, tant qu'on est haut, je bois. J'ai pas pris de livre. Ah si. Ah oui, il fait froid ici, bien vu. Oui, je vais chercher l'autre matos et je reviens. Je reviens. MDR, il y a zéro activité. Zéro. C'est peut-être un cauchemar. Pas un cauchemar, une ombre. Mais pour ça, j'ai pas de température glaciale. Je reviens avec des items. Je vais spirit. Ok. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ouais, ça a pas l'air d'être spirit, hein. Il a bougé ici, tu penses? Ah oui.
Liquid Spirit. Ah oui, la Spirit. Oh, ouais. Dots. Dots. Ouais. Je l'ai pas vu, dommage. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? 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 Où êtes-vous? C'est une cachette, ça? Pas trop. Ça peut sauver. Là aussi. Meilleure cachette, ce serait là. Ah ouais. C'est ça le truc, c'est que le truc, la map est tellement grande que du coup, trouver une cachette c'est chaud. C'est un peu compliqué. On a une toute légère activité, là. Il y a eu peine 20 secondes. Mais c'est monté à 3 quoi, donc pas non plus fort de fou. Oh, c'est potentiellement une bonne fille. Sur combien qu'elle va me rush la gueule. Et toi, elle va s'en foutre. On est d'accord. Alors, faut savoir que j'ai une petite malédiction ou bénédiction. Bon, ce sera plus une malédiction. Mais à chaque fois que je joue avec Perdi, que le fantôme c'est une banshee, elle en a après moi, jamais après lui. Ben, quand je dis jamais, c'est vraiment jamais, jamais quoi. J'aurais pu le décaler encore de l'autre côté, un peu plus. Banshee, c'est Dots Orb ultraviolet. Soixante % les deux. Je vais rajouter une cam si c'est une banshee, on la verra de suite, l'orbe. Parce qu'on est dans un coin de la pièce mais pas dans l'autre. De quoi?
Qu'est-ce que t'as dit? Comment ça, un coin dans la pièce? Je vois pas pourquoi la caméra de vitrine. Et parce qu'en fait, là, en fait, au milieu, il y a un truc. Et on voit pas le milieu, en fait, avec la cam. Du coup, j'en rajoute une deuxième, vers le milieu, quoi. Je vais checker au Camtar du coup si c'est une orbe. On a eu une micro pas activité. On a fait un pic à 6, sinon c'en était à 3. Box qui veut dire fantôme. Alors, ok, donc c'est un fantôme. De fou parce qu'on a été les deux à checker dans les deux salles. Elle était toujours pas là. On a mis du temps. On est 4 sur le stream, merci à tous. Bah, spawn à la tronche. Non, non, je suis pas mort, mais c'était juste une apparition. Par contre, ma santé mentale a dû en manger un coup, mais. Ouais, il y a eu un petit event rouge et tout. Bon, moi, on a validé le premier défi. Enfin, si j'avais eu l'appareil photo, j'aurais pu la photographier. Après la game parfaite, c'est mort dans ce Nintendo. Oui, déjà pour trouver l'os et tout. C'est clair. Bah du coup, on peut. On y va, quoi. Du coup. Comme on cherche pas à faire la game parfaite. Ouais, on peut y aller. Allez, on y va. Ah, c'était mon premier fantôme, parce que j'ai eu le succès. Ah, depuis les succès, du moins. C'est mon premier depuis les succès, parce que. Oh, c'est vrai, du coup, j'ai le nouvel appareil photo, trop cool.
J'ai chopé le nouvel appareil photo. Chope. Oui, d'accord. Voilà. Bisous. Du coup, là, est-ce que l'appareil photo est passé en 3? Non, l'appareil photo est passé et est resté en 2. Grade 3. Et du coup, avec leur connerie, mon appareil photo, il est pas resté... il est pas passé à 3, là. Ce qu'ils considèrent, c'est... Ah, bah si. Ok, faut juste que je le passe là. Ok. Je crois que c'est bon, du coup, maintenant. Appareil photo, ouais, appareil photo en plus, 3. C'est 10 niveaux qu'il faut atteindre maintenant. Avant, je crois que ça le disait pas, non? De quoi? Avant, ça disait pas le niveau qu'il faut atteindre pour avoir. Non. Pour débloquer. Hein. Enfin, si, ça le disait, mais il fallait cliquer dessus, tout ça, machin. C'était galère, on va dire. Et du coup, bah là, c'est beaucoup moins galère. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, ouais. Là, par exemple, je vois que le prochain que je déverrouille, c'est niveau 72 et c'est le microphone parabolique. Ensuite, 74, le détecteur de mouvement. le médicament. 79, la lumière à feu. Moi, le prochain que j'ai débloqué, c'est le niveau 3. Au niveau combien? L'UV, bientôt. Ah ouais, l'UV, ouais. L'UV, c'est pas mal. En vrai, je me demande si je vais prestige. Je crois que je vais avoir la flemme de prestige. Ou alors, c'est toi qui vas m'inviter pour qu'on ait quand même des items 3 étoiles. Parce que ouais, là, ça va se passer comme ça, ouais. Repasser à premier level, ça fout flemme. Donc, on verra bien. On va faire le camp qui a été demandé aussi tout à l'heure. Ça marche. La personne qui a demandé est revenue. C'est Titi qui voulait qu'on fasse l'asile. Mais comme il n'est pas encore revenu, c'est pour ça que je dis on va faire le camp d'abord. Ok. Ça marche. Le camp a été demandé par Taé. Taé qui est toujours là. Donc, comme ça, on fait le camp maintenant. Et on fera. Je pense que le bouquet final, ce sera l'asile. On essayera l'asile. Ah, c'est le camp, c'est ça. Nice. J'ai du mal à ouvrir le camp. Jouer. C'est en plein milieu là? Ou c'est plus là? Comment?
C'est plus là ou plus en plein milieu? En plein milieu au niveau J'en du sais fond? rien. Je sais juste qu'il a tapé son doigt, quoi. Ok. J'ai peut-être mal mis le dot, hein. On fasse en sorte qu'il atteigne une lumière à feu. Ok. Poltergeist. Il a été rapide, celui-là, donc. Heureusement qu'on n'est plus sur des ordinateurs comme ça. Hein. Vous vous rendez compte la gueule du clavier là? Il nous manque 4 photos. C'est un événement. J'ai mis du sel du coup pour les photos. Eh merde, j'ai raté la photo.
Ah ouais. Une photo qui est ratée. On n'aura pas de game parfaite. Ce soir, c'est compliqué les games parfaites, hein. On attend une chasse du coup ou pas? On a perdu le collègue. On a perdu le collègue perdu. Je l'ai entendu au bruit, je me suis dit tiens. J'étais caché aux toilettes, il m'a quand même tué. Ah, j'ai entendu au bruit, j'ai dit hop, oh, ça sent pas bon ça. Et ça sent pas très bon ça. Ouais, moi je vais y aller, j'ai mal à la tête. Ok. Ok. Bon bah, les amis. Bah on va se laisser aussi là-dessus, du coup. Je me démute Discord. Ok, ça marche. on va se laisser là-dessus, je pense. Ouais. Faire un petit raid. Oui, on va faire un petit raid. On va faire un petit raid chez Solena. Voilà. On va faire un petit raid chez Solena. Je vous remercie les amis pour ce petit stream. Voilà, on aura fait quelques games sur Phasmo. Voilà, c'était un truc, fallait le faire. Et puis voilà, du coup, ben. On se laisse là-dessus. Merci pour ce moment. Voilà, on a passé une agréable soirée. Bonne nuitée à vous tous. Et puis demain peut-être pas, Néo. Demain on verra. On verra peut-être ce week-end, mais peut-être pas demain. On verra. Tu verras bien de toute façon. Ok, mon Néo. Bon allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous, une bonne soirée à vous, et on se laisse du coup, et on va aller sur le petit raid, on va les raid du coup,
Solena qui est toujours en live, mais il ne me propose pas. Ok. Solena. Hop, voilà. Le petit raid est lancé, entamé. Vous lui passerez le coucou de ma part et elle sera très fière, très contente, du coup, je pense. Et du coup, nous, on se dit à plus tard. Merci les amis. Des bisous.